première question, comment vous êtes rencontrés et quel a été le point de départ de votre enchambier? En fait, Mandax est passionné par les gens qui racontent des conneries depuis des années. Et donc, il a fini par s'intéresser à la zététique et au biais cognitif pour comprendre pourquoi les gens pensent des conneries. Et vu qu'on se fréquente pas mal, ben, j'ai fini par m'intéresser à toutes ces choses-là. J'en ai été passionné aussi. J'ai monté ma première chaîne YouTube, le 7 barré, il y a 2 ans. Et je me suis rendu compte que YouTube, c'était un média assez excellent pour transmettre des choses et pour communiquer avec les personnes. Et du coup, on a fini par se dire que faire une chaîne sur la zététique pour vulgariser la zététique et expliquer aux gens ce que c'était que les biais cognitifs, ça pouvait être super intéressant. Voilà, ça c'est la version courte de l'histoire. Parce qu'en fait, la version longue fait intervenir des princesses guerrières, des dragons et d'autres copains youtubeurs qui se disent que c'est une bonne idée aussi. Mais voilà pour la version brève. Vos vidéos, ben voilà, maintenant elles commencent à connaître un petit succès. Est-ce que ça rencontre vos espérances par rapport à un sujet comme la zététique? Alors, en ce qui me concerne, ça va au-delà de nos espérances. On a commencé ces vidéos dans notre coin et maintenant on est soutenu par énormément de zététiciens et de personnes qui sont assez renommées dans... Henri Brock? Dans le milieu de la zététique, ben, on a appris que Henri Brock avait vu notre premier épisode et qu'il avait... En fait, il nous a envoyé un message de manière indirecte à travers quelqu'un d'autre pour nous féliciter. On était content. Voilà, c'est ça. Du coup, assez ouf. On a pu envoyer notre épisode sur la dissonance cognitive à Gérald Brunner, qui est quand même un spécialiste français du domaine, pour avoir son retour. Donc déjà, là, ça fait quand même du bêta lecteur assez dingue pour les textes. Et du coup, on a accès à pas mal de personnes. Oui, il a répondu, il l'a relu. Plusieurs fois. Et on a échangé On a échangé avec lui, il aime bien ce qu'on fait et normalement on devrait l'avoir avec nous sur une émission, soit dans les rendez-vous de Pharos, dans le cadre de la vidéothèque, ou bien chez nous en l'air, on verra, pour parler justement de ses recherches sur les croyances et du déni de la science. Parce qu'on est à l'heure actuelle sur internet à une époque où les gens crachent sur la science. Mais ils savent pas ce que c'est. Voilà. Le fait est qu'on est dans une période un petit peu transitoire et étrange où beaucoup de personnes s'intéressent à la culture, mais effectivement rejettent la science parce qu'il y a une branche de la culture, tout ce qui va être un petit peu culture New Age et compagnie, qui est appréciée, qui est pas mal appréciée, mais qui n'est pas beaucoup questionnée malheureusement. La vulgarisation, c'est un exercice quand même assez compliqué. Vous avez l'impression que les spectateurs comprennent bien le contenu de vos vidéos? Et justement, le format de la vidéo, est-ce que c'est pour vous un bon moyen pour mémoriser les informations? On va commencer par vulgarisation. Alors, c'est Mandax qui écrit la plupart des épisodes. Et il fait ça très très bien, je trouve. Si jamais il arrive qu'il y ait des points qui sont pas forcément très très clairs, on essaye d'interagir au maximum avec les personnes qui nous posent des questions. Sur le Ask, c'est assez dingue la qualité des questions qu'on a. On a des questions qui concernent que penses-tu de la philosophie, l'homosexualité est-elle innée ou acquise, pour les dernières On a eu des trucs sur la physique quantique. Enfin, on n'est pas expert en tout non plus, nous. Hein. Donc, on a une idée de la méthode, mais les contenus des sciences, on n'est pas expert. J'ai lu les commentaires des différentes vidéos et c'est vrai que tu prends vraiment le temps de répondre et qu'il y a parfois des débats qui prennent. Et même dans les commentaires, enfin dans la liste des commentaires des vidéos, on a un nombre de commentaires qui est pas dingue, mais en ratio commentaires-réponses, je pense qu'on bat la plupart des gens. Donc on a un niveau d'échange dans nos commentaires qui est relativement impressionnant. Mm-hmm. Bon, il y a certains qui sont des trolls bien sûr, mais globalement on est très content de l'interaction. Et du coup, on a un site à côté qui s'appelle la menace terroriste, où là c'est par écrit. Donc c'est vrai que par rapport à ta question sur le média vidéo, c'est pas l'idéal. C'est très bien, parce que ça a plein d'avantages, mais pour creuser les choses, l'écrit, pour moi, c'est mieux. Mais la vidéo, c'est très très bien comme première approche. C'est ce que j'allais dire. Vu que ta question portait sur la vulgarisation, je vais te répondre que je trouve que la vidéo est un excellent média concernant la vulgarisation. Ensuite, effectivement, si les gens ont envie d'approfondir, l'écrit, ça fonctionne bien, ça va permettre d'aller plus loin, ça va permettre de donner des sources, des références, chose qui est un petit peu plus difficile dans les vidéos. Mais voilà, il y a une demande sur YouTube en ce moment. Comme je disais tout à l'heure, il y a une demande de contenu qui enseigne. Les gens ont envie de regarder une vidéo et d'en ressortir en ayant appris quelque chose. Et c'est super, et ça montre bien qu'il y a effectivement une demande de vulgarisation.
On est dans un très très bon moment de YouTube, je trouve. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que les gens qui ne font que regarder vos vidéos, ça suffit, entre guillemets, pour retenir des choses et pour un peu former son esprit critique et des choses comme ça? Il y a certaines personnes qui veulent s'investir vraiment dans qu'est-ce que c'est que tout ça. Il vaut mieux aller lire des bouquins, mais si c'est juste de la curiosité, voir un peu ce qui existe, ce qui se passe, les vidéos sont suffisantes. Si on veut juste savoir que tel biais existe, voilà, avoir une vague idée du fait qu'il faut faire attention à ce qu'on croit par rapport à ça, les vidéos suffisent. Si on veut savoir pourquoi, et si on veut connaître les vraies conséquences, etc., il vaut mieux aller creuser les bouquins qui existent, et il y a très bons bouquins en anglais. En français, il y en a, mais du coup, j'en ai écrit un. Voilà. On verra plus tard. Un peu de publicité, ça te fait pas de mal. Il n'est pas encore sorti, mais dès qu'il sort, on vous rappelle. Pour ce qu'on veut faire avec La Tronche en Biais, c'est-à-dire inciter les gens à réfléchir et inciter les gens à questionner toutes les informations qu'ils reçoivent, la vidéo est amplement suffisante. Parce que notre vocation, c'est pas d'enseigner une discipline, c'est d'enseigner une démarche. Mais pour enseigner cette démarche, il faut expliquer aux gens pourquoi la démarche est nécessaire. C'est même pas enseigner, on peut pas dire qu'on enseigne. Non, montrer que c'est... On présente, voilà. On explique, on présente des choses, et après les gens, c'est... Typiquement, la zététique ne s'enseigne pas. C'est une pratique, c'est comme la philosophie. C'est pas une discipline, ça vient une de l'intérieur. Voilà. Et justement, le fait d'avoir pris un personnage, donc on va dire un présentateur, toi, et un personnage, c'est pour quelle raison? Est-ce qu'il y a aussi un but aussi de pédagogie, de le fait d'avoir un personnage, cet échange entre les deux personnages? En fait, il y a deux personnages, parce que Vled n'existe pas. Oui. Ben voilà, c'est ça. Donc là, c'est des alter ego. Moi, je voulais pas être à l'écran. Ça m'intéressait pas. Au départ, on avait pensé à faire une voix off. Bon, c'est embêtant, enfin, et puis on s'est dit, scéniquement, pour la mise en scène, parce que moi j'écris du théâtre, etc., voilà. J'aime bien ça. Je voulais une écriture un peu dynamique avec des échanges, et le truc le plus sympa, c'était d'avoir quelqu'un dans l'écran. Et notre ami Loki, qui est derrière toi, qui est l'artiste graphique de l'équipe, a construit. Il a dit, oh bon, je l'ai fait. Donc il est venu à la maison, en quelques semaines, par petite séance de quelques heures, il a créé le crâne avec du carton, avec de la laine, avec de la peinture. On avait une marionnette, on s'est dit voilà, on a ce qu'il faut quoi. Ouais. Et après il a fallu créer la voix de la marionnette, et puis voilà, une fois que le personnage était né, le ciment d'Ax. Qu'est-ce que vous pensez de l'esprit critique chez les jeunes? Enfin, quelle idée vous en avez, et même de la population en général? Est-ce que Internet est le sauveur un peu de tant attendu, dans le sens où ça y est, maintenant on a accès à tout? Et qu'en est-il du développement de l'esprit critique dans le système scolaire? Alors, on va commencer par le développement de l'esprit critique dans le système scolaire. C'est pas compliqué, c'est désastreux. On va... Pas du tout encouragé. C'est pas du tout encouragé. On incite les jeunes à apprendre par cœur, on ne les incite pas à poser des questions. Mais ça, c'est dès notre plus jeune âge. C'est scandaleux que des parents apprennent à des enfants que la curiosité est un vilain défaut. Qu'est-ce à dire que la curiosité est un vilain défaut? C'est horrible d'apprendre ça. Non, la curiosité n'est absolument pas encouragée. Certes, Internet gagne du terrain, mais ce qui n'est pas tout le temps dit, c'est que contrairement aux apparences, la télévision aussi, et la télévision, c'est le média passif par excellence, il y a une excellente conférence de Démurger qui s'appelle TV Lobotomie, je crois. C'est son bouquin, ça. Mais la conférence porte le même nom. Oui, on la regarde. Voilà, excellent. C'est une très très bonne conférence qui montre qu'effectivement la télévision, c'est une catastrophe sur le plan du développement de la curiosité. Mais dès le plus jeune âge. Donc, curiosité pas très développée, justement. Quand je vois qu'il a fallu que j'arrive à l'université et au conservatoire pour qu'on m'encourage à faire preuve d'esprit critique et à questionner les choses... Je me dis qu'il y a un problème, c'est pas dans ces âges-là qu'il faudrait développer ce type d'initiative. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, je suis d'accord, mais pour aller plus vers Internet, qui était ta question... Chaque chose en son temps. On a montré que Internet, c'était le règne des pseudosciences, ouais. Des croyances, etc. Et d'ailleurs, Google a pris la mesure de la chose et a décidé de créer une sorte de commission pour, lorsqu'on tape un mot sur Google, que les premiers résultats soient des résultats qui sont validés par les sciences. C'est une excellente initiative. Parce qu'à l'heure actuelle, vous tapez astrologie, pendant 4-5 pages, c'est que des sites pro-astrologie. Et la personne qui veut savoir juste si c'est vrai ou pas, elle ne peut pas avoir l'info. Vous tapez homéopathie, je ne vous raconte pas, vous tapez plein de choses. La plupart des pseudosciences, quand vous les tapez sur Google, vous ressortez des résultats qui sont non scientifiques, qui sont faux. Et on sait que les gens qui vont sur Internet vont avoir tendance à se radicaliser dans leurs croyances.
ceux qui ont déjà des fausses croyances vont les radicaliser à cause de plein de biais, mais notamment des biais qui sont dans Internet. Donc Internet n'est pas du tout la réponse. À l'heure actuelle, il est dans le problème, plus que la réponse. Le problème, et c'est pour ça que la méthode est nécessaire, c'est que oui, les gens peuvent être curieux, et Internet va éventuellement les aider à être curieux, mais si on ne leur apprend pas à faire des recherches correctement, comme Mandax l'a dit, la plupart des sites, ce sont des sites pro-bullshit, allez, disons ça, des sites qui vont raconter des conneries, et du coup, en se posant des questions, ils vont aller apprendre des choses fausses. C'est un petit peu le syndrome d'Octissimo. J'ai un espèce de symptôme, qu'est-ce qui se passe? On va aller sur Doctissimo, premier site qu'on va trouver, et ça y est, on a le cancer du sida, quoi. Donc il faut vraiment éviter cet écueil de penser que tout le monde peut être expert. Non, on ne peut pas être expert en tout, et la plupart des gens sont experts en rien. Et c'est peut-être dur à avaler, mais il faut l'accepter. Il y a plein de gens, il vaut mieux s'en référer à des experts qui savent. Alors, ça ne veut pas dire leur faire confiance tout le temps, mais quand il y a un consensus scientifique, il faut que les gens apprennent ce que c'est. Et cette notion-là du consensus, elle n'existe pas dans les médias. Personne n'explique aux gens ce que c'est. Et dans les médias, lorsqu'on veut parler d'homéopathie, on invite un pro, un anti. Et bah c'est stupide. Tous les avis ne se valent pas. C'est pas beau à dire, c'est pas démagogique, mais tous les avis ne se valent pas. Quand on c'est dit que... ça, on nous dit que du coup on est fermé, qu'on est dogmatique, alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut accepter quand on a une réponse. C'est tellement rare en science, quand on a une vraie réponse. Quand on l'a, il faut l'accepter. Et le problème avec la notion d'expert, c'est que le mot expert, il va illuminer des tas de choses auprès des gens, experts, personnes intelligentes, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Le problème, c'est que déjà, il y a des experts autoproclamés, mais surtout, il y a des personnes qui vont être expertes dans un domaine, mais qui vont parler d'un domaine qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Le souci, c'est que le rayonnement de leur expertise dans cet autre domaine fait que les gens vont avoir tendance à les croire dans les autres. Et ça aussi, ça pose problème. Donc, il faut apprendre aux gens ce que c'est qu'un expert et apprendre aux gens ce que c'est que le consensus scientifique. La grande question, c'est les sources. Voilà. Il faut que les gens sachent questionner leurs sources et croiser les sources. Et comme ils ont maintenant Internet qui est ouvert à eux, il faut qu'ils apprennent à faire ce travail-là qui normalement est fait par les journalistes. Moi, je vais souvent dans les classes parce qu'on a une animation qui est de la recherche documentaire, chercher de l'info sur Internet. Et donc, tous les élèves nous disent toujours, on utilise des mots-clés, il faut vérifier ces sources-là, ils le savent. Mais dans les faits, on est bien d'accord que on prend toujours dans le premier résultat ou les trois premiers et personne ne va voir même la deuxième page. Le souci, c'est aussi la notion de source. Certes, les gens savent qu'il faut des sources, mais la plupart du temps, ils ne savent pas ce que c'est qu'une véritable source fiable. Ça nous arrive extrêmement souvent de demander aux gens de nous donner des sources. Et bon, bah, on va se retrouver avec des sources de sites pro-homéopathie, de sites pro... New Age. Pro-New Age, voilà, ce type le de choses. New chose. Age, c'est bien parce que dans le New Age, on peut trouver la preuve de tout. Sur le niveau vibratoire, sur la mémoire de l'eau, l'astrologie, absolument tout peut être prouvé grâce à des sites de New Age. Donc c'est louche. Et voilà, et parce que quand vous allez sur un site spécialisé en médecine, il ne va pas vous parler de physique quantique. Ça, c'est une source fiable, c'est une source qui se limite à un domaine où elle est experte. Il faut admettre qu'on ne sait pas tout, admettre que d'autres personnes savent et aller vérifier auprès d'eux. Parce que nous, en tant que tels, on n'est absolument pas experts. On n'est absolument pas experts de la plupart des domaines qu'on traite. Mais on cherche et on va se renseigner auprès de personnes qui, elles, ont travaillé ce domaine-là. Parce que je veux dire, voilà, Mandax est biologiste, je suis musicologue. Et pour chaque chose qu'on dit, on vérifie si on n'a pas tort. Ouais. On se pose la question, est-ce que je n'ai pas tort? On n'essaie pas de prouver qu'on a raison, on essaie de prouver qu'on n'a pas tort. Voilà. Parce que justement, il n'y a rien de plus facile que de trouver des raisons de penser qu'on a raison sur Internet. C'est extrêmement simple. Dernier message aux nos amis belges. Alors, chers amis belges, moi je serai à Bruxelles au mois de septembre normalement. Ça s'appelle Zététique in a Pub, ou Sceptique in a Pub, je ne sais plus. On a un scientifique qui vient dans un pub et qui parle aux gens, et les gens posent des questions sur différents sujets. Donc, je ne sais pas encore de quoi je parlerai. The mais. Pint of Science. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est Pint of Science. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est encore autre chose. A Pint of Science, c'est quelqu'un qui fait la même chose, ouais. Voilà, donc on sera à Bruxelles, et c'est une ville qu'on aime bien, Bruxelles, c'est sympa. Voilà.